Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Astronaut Thyself, connais-toi toi-même. Je m'appelle Yolène. Aujourd'hui, on va poursuivre la série des ascendants en parlant de l'ascendant Vierge. L'ascendant Vierge est une personne qui est très ordonnée et méticuleuse. C'est un signe qui fait attention à tous les détails et il arrive à détecter les imperfections. Et ils ont un sens de précision. C'est quelqu'un en général qui est très ordonné chez lui. Il va être ordonné dans sa manière de se nourrir. Il va faire attention à ce qu'il mange. Vous allez remarquer que c'est une personne qui aime bien rendre des services aux gens. Il travaille avec acharnement. Ils font attention à tous les détails. C'est un signe qui est très analytique. Il a tendance à avoir un comportement modeste, il n'aime pas attirer l'attention des gens. C'est une personne qui travaille souvent dans l'ombre pour amener des résultats efficaces et concrets. On l'appelle le problème solver. Donc quand vous avez des problèmes, la Vierge vient toujours avec une solution. Ils sont souvent attentifs à leur hygiène, à leur santé. Ils sont carrés dans tout ce qui est nutrition. Ils font attention à ce qu'ils mangent. Ils aiment bien aussi être dans les remèdes alternatifs, tout ce qui est herbal, prendre des plantes, des thés, que oui, je dois prendre de la vitamine C ou je dois prendre, you know, ils sont forts dans ça. C'est des personnes aussi que vous pouvez retrouver à faire beaucoup d'exercices pour maintenir leur santé physique. Ils le font routinièrement, ils sont très soignés, très propres en général. C'est des personnes qui sont perfectionnistes, analystes et rationnelles. Ils ne sont pas d'accord avec les personnes qui sont dans l'imperfection. Ils ont une apparence physique efféminée, ils ont des traits fins et il a le sens du devoir au service des gens. Donc si jamais vous êtes ascendant Vierge et que vous vous reconnaissez dans ces traits de caractère, n'hésitez pas à venir commenter. Je vous remercie infiniment. God bless you all and love you all. Peace.